Mon travail se situe entre le figuratif et l'abstrait. Ce n'est pas de la peinture complètement abstraite, parce qu'il y a toujours une évocation du paysage, de la nature. Je pense que le paysage, c'est vraiment dans la veine de la culture chinoise.我的画在抽象与具象之间，因为它不能算是绝对的抽象，也不是写实的那一种具象，应该说是我们中国山水传统的似与不似之间。因为我觉得山水确实是在我们中国人的骨子里的，是我们的文化的精髓。我的画里面有一种摄影性的存在。 因为它其实是一种痕迹，有点像书法的痕迹。 Là, c'est la technique, c'est la peinture à l'œuf, la tempéra sur papier. Donc la tempéra, c'est le mélange du jaune d'œuf avec les pigments. C'est une technique ancienne des icônes au Moyen-Âge, en Occident. Je l'utilise pour travailler à la façon de la peinture chinoise, mais pour obtenir des couleurs plus lumineuses, plus chaudes, transparentes, et sur un support plus rigide. Comme je travaille avec beaucoup de gestes calligraphiques, cette technique me permet d'enregistrer toutes les nuances, toutes les textures des traits. De quel format ? 3 mètres, 1 mètre 50. 2 mètres sur 2 mètres.